Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième épisode des Jeudis Aléatoires avec le livre des fondements de l'électronique. Aujourd'hui, on va parler de transformateurs. Donc, aujourd'hui, on va parler de transformateurs, donc les gros modules qu'on voit dans des appareils qui permettent entre autres d'abaisser la tension pour fournir euh, une panoplie de circuits à l'intérieur de l'appareil. On retrouvait principalement à l'intérieur des anciens appareils puisque ça nous permettait d'abaisser la tension pour euh, fournir tout le circuit. Maintenant, on utilise des méthodes alternatives, euh, par exemple des euh, modules step-down ou des modules plus composés de semi-conducteurs. À l'époque, on utilisait beaucoup plus les transformateurs puisqu'ils étaient peu coûteux et ça nous permettait d'avoir une tension stable à la sortie puisque c'est linéaire. Donc un transformateur comme celui-ci, comme vous voyez, il y a des enroulements d'un côté et des enroulements de l'autre côté. On va appeler ces premiers enroulements-là les enroulements primaires et ces enroulements-là les enroulements secondaires, puisque ceux-ci, souvent, on va faire entrer la tension secteur, soit 120 volts ici en Amérique, et on va faire sortir la tension secondaire, tout dépendant du ratio euh, des enroulements. Donc, il faut noter que des transformateurs, ça fonctionne avec des tensions alternatives seulement. Si on envoie une tension continue, soit une tension DC euh, à un enroulement de fil, l'enroulement va simplement le percevoir comme une résistance et il n'y aura pas d'échange entre les deux enroulements. Par contre, si on envoie une tension alternative à l'enroulement primaire, celle-ci va agir plutôt comme une inductance, contrairement à la résistance en courant continu. Donc, l'inductance, elle, va créer un champ magnétique pour transmettre son énergie à l'enroulement secondaire qui, elle, va pouvoir nous générer une tension à la sortie. Donc, nécessairement, vous aurez compris que les transformateurs peuvent fonctionner à différentes fréquences. Ces fréquences-là vont être déterminées selon le manufacturier, selon la conception du transformateur, et ces informations-là sont disponibles dans les fiches techniques. Donc, les transformateurs sont assez simples à comprendre au niveau de tension puisque euh, la tension est directement proportionnelle au rapport entre les deux bobines. C'est-à-dire que si par exemple l'enroulement secondaire a 400 tours et que l'enroulement primaire a 100 tours, donc notre transformateur a un ratio de 4. Ce qui veut dire que si on envoie une tension, une certaine tension d'entrée de euh, par exemple 100 volts, on va avoir un ratio de 4 à la sortie, donc on va avoir une tension de 400 volts à la sortie. Par contre, on utilise bien plus souvent ces transformateurs-là pour abaisser la tension. Donc, vous comprendrez que le nombre de tours à l'entrée sera plus élevé que le nombre de tours à la sortie pour obtenir un ratio inférieur à 1 qui va nous permettre d'abaisser la tension d'entrée de 120 volts par exemple à des tensions d'environ 12 volts si on veut l'utiliser dans un circuit standard euh, avec d'autres composantes logiques et d'autres composantes de puissance. Donc, un autre facteur très important lorsqu'on utilise des transformateurs, c'est le courant demandé lorsqu'on veut l'utiliser. Donc, les circuits, par exemple, comment ça consomme de courant. Et pour calculer ce courant-là, ça va être directement relié au nombre de tours aussi. Donc, on a vu précédemment que la tension était directement proportionnelle au nombre de tours et au, en fait au ratio du nombre de tours de chacun des enroulements. Et bien le courant aussi. Par contre, le courant, c'est inversement proportionnel au nombre de tours. Par exemple, si le premier enroulement avait 100 tours de fil ainsi que le deuxième enroulement avait 400 tours, donc on a un ratio de 4, eh bien le courant primaire serait inversement proportionnel au courant secondaire, donc on aurait un ratio de I à l'entrée, donc I primaire, divisé par le ratio N, soit de 4, égal à notre courant secondaire. Donc ce que ça nous permet de comprendre, c'est que dans le transformateur, techniquement, il n'y a aucune perte. Si la tension augmente, le courant diminue, et si la tension diminue, le courant augmente à la sortie. Donc, pour reprendre l'exemple initial, si on a une tension d'entrée de 100 volts avec, par exemple, 10 ampères d'entrée, à la sortie, on va obtenir 400 volts avec un ratio de 4 et on aurait un courant maximal de 2,5 ampères puisque on prend le courant d'entrée de 10 ampères divisé par 4, on obtiendrait une tension de sortie de 400 volts et un courant de 2,5 ampères. Par contre, ça, c'est avec un ratio supérieur à 1. Si on a un ratio inférieur à 1, la tension va diminuer. Euh, par exemple, si on passerait de 100 volts à 10 volts, un ratio de 10, et le courant pourrait augmenter en sortie avec ce même ratio-là. Donc, les transformateurs sont très utilisés justement dans les applications de puissance parce que ça peut fournir beaucoup de courant rapidement. C'est un composant qui est linéaire. Donc, contrairement aux alimentations qu'on va appeler switching, qui va permettre d'augmenter ou de diminuer la tension avec un étage de semi-conducteur, le transformateur, c'est un composant très simple, simple à fabriquer. Donc, il y a aussi l'enroulement de fil à prendre en compte. Par exemple, si l'enroulement de fil est très très fin, euh, nécessairement, le courant va être pas très élevé, donc il faut vraiment vérifier la fiche technique. Les gros transformateurs de puissance vont avoir euh, du fil de calibre plus élevé pour supporter un courant plus élevé. Il y a aussi euh, la capacité à dissiper la chaleur et vous avez aussi remarqué que celui-ci, par exemple, est dans un boîtier métallique. Avec euh, un enroulement de métal parce que ça permet une meilleure conduction magnétique. Donc, finalement, un dernier petit détail sur les transformateurs il y en existe plusieurs types. Euh, il existe des transformateurs seulement avec deux enroulements à l'entrée, deux enroulements à la sortie. Par contre, celui-ci, c'est un transformateur qui est quand même beaucoup utilisé aussi en électronique, puisqu'il y a un enroulement à l'entrée, donc deux fils. On peut brancher le 120 volts. Mais à la sortie, pour ceux qui ont remarqué, il y a trois fils. Donc, c'est des transformateurs qu'on va appeler transformateurs à point milieu ou à prise milieu. Médiane qui nous permet d'avoir deux tensions par rapport à un point commun. Donc, deux tensions, euh, en fait, c'est la tension du secondaire divisé par deux euh, qu'on peut mesurer entre le point commun et un fil et le point commun ainsi que l'autre fil. Donc, ça nous permet d'avoir deux tensions positives et négatives. Ça nous permet de faire des circuit avec des tensions négatives puisque un fil qu'on peut mettre positif et l'autre qu'on va mettre négatif. Donc on va souvent retrouver ce type de transformateur là dans les circuits amplificateurs puisque les souvent les amplificateurs sonores ou les amplificateurs de puissance utilisent des tensions positives et négatives. Donc merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester à l'affût des prochaines vidéos sur les jeudis aléatoires et comme toujours on se revoit pour une prochaine vidéo merci